J'ai le talent, elle est bien. J'ai le talent. Aïe. C'est bon. Elle est tellement devenue flambante qu'elle mériterait que je t'éteigne, frère. Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Raider. Raider, vous le connaissez, il a une chaîne YouTube. Pas trop de contenu, pas trop de talent. Vous êtes fous, quoi. Mais vous pouvez aller voir quand même si vous êtes curieux. Je suis en compagnie aussi de Nathan, que vous connaissez, que vous avez vu. Qui est venu à la fois pour m'acheter un T-Max. Enfin, voilà, vous connaissez. Je suis en compagnie de mon poteau Maxou. Il n'est pas souvent là, mais quand il est là, voilà, ouais, il est là. Hein, aujourd'hui, j'avais besoin de renfort. Ah, il y a un revenant, les gars. Attendez, le meilleur pour la fin. Oui, je suis en compagnie de La Gâchette. Samy La Gâchette, vous ne connaissez pas. Et on a un revenant. Voilà, on y arrive. On est au fameux revenant, Mister Bâtard. Alors, Mister Bâtard, pour ceux qui ne savent pas, il était dans mes vidéos il y a combien de temps? Il y a 2-3 ans. Ouais, 3 ans. Il y a 2-3 ans, il était dans mes vidéos avec une petite équipe. Aujourd'hui, j'ai fait appel à lui parce que j'avais besoin d'un coup de main. Et puis, j'ai pensé que ça ferait plaisir aux abonnés de le revoir sur la chaîne de temps en temps. Donc voilà, il est venu et ça fait plaisir de te voir avec nous. De même. Bon, voilà les gars, je vous explique. Vous avez été nombreux à voter et à nous dire de faire revenir le mec qui m'a pris l'argent la dernière fois pour le T-Max. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous met un petit extrait là. Eh ben enfin, ils sont là. Oh frérot, ça fait 20 minutes. Ouais, 20 minutes de retard. Putain. Tu as vu le temps, il commence à faire nuit et tout. Ouais, c'est nous pour le T-Max. Quoi? Ça va, tiens. Retrouver son téléphone on l'a avec nous et on a réussi à le faire débloquer. On l'a fait débloquer grâce à mon ami justement La Gâchette parce qu'il est développeur informatique, voilà tout simplement. Et donc du coup on a débloqué son téléphone et avec son téléphone on a réussi à avoir pas mal de coordonnées intéressantes et pas mal de numéros. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler sur le téléphone de sa maman, on va lui donner rendez-vous ici, on va lui demander de me rendre l'argent et mes frérots vont être cachés dans le camion que vous voyez juste là. Donc, ils seront cachés, on va mettre une petite GoPro à l'intérieur, ils seront cachés dans le camion, et si ça dégénère, ou cas où ça se passe mal et que le mec ne peut pas me rendre l'argent, mes potes sortiront à ce moment-là, et puis on réglera les comptes quand il arrive et s'il fait le fou. Voilà. Donc, on va l'appeler de suite, et on va lui donner rendez-vous aujourd'hui ici. Allez, c'est parti. Bon, les gars, là, on va appeler le mec avec son téléphone. Donc, regardez, on a un numéro. Je vais cacher le numéro, mais c'est le numéro de sa mère. Il y a écrit « Mama ». Et on va tenter de le faire revenir à la raison. Voilà. Allez, je l'appelle de suite. Et on va voir ce qui se passe. On veut qu'elle réponde. Allô? Allô? Oui. Je me suis peut-être trompé. Vous êtes Tu m'appelles mon téléphone. Ah, c'est ton téléphone là avec lequel je suis en train d'appeler? Quoi? C'est ton téléphone? Ouais. Parce que j'ai trouvé le téléphone et je me suis dit comme c'est pas trop bien de voler les gens, je vais l'appeler avec son téléphone. Parce que la dernière fois, tu te rappelles que tu as fait un truc bizarre, genre je devais t'acheter un T-Max et tu m'as pris l'argent. Mais t'es parti. Je voulais t'aider moi, je sais pas de quoi tu racontes là. Ah, tu sais pas de quoi je raconte? Non. Oh le franc. T'es pas aller à l'école non plus. Écoute, on va faire un truc simple. Moi je sais que c'est toi qui m'as volé l'argent. D'accord? Puisque tu as perdu ton téléphone. Mais quel argent? Écoute, tu veux rien savoir frérot, moi je t'explique, j'ai pas de temps à perdre. Tu veux garder ton téléphone et tout, y'a pas de soucis. Tu veux garder le T-Max et l'argent, y'a pas de problème. Moi ton téléphone là, je vais l'amener au Condé frérot, je vais l'amener au flic et je vais dire que tu m'as volé le téléphone. Et en plus on a tout ce qu'il faut comme preuve. Hein. Non maintenant c'est comme tu veux. J'ai ton téléphone, il y a des photos dedans, il y a tout dedans, il y a tout dans ton téléphone, on a réussi à le débloquer, il y a tout. Comment tu as fait pour le débloquer? Comment tu as fait? J'ai fait frère, cherche pas à comprendre, cherche pas qu'on n'est pas, c'est pas là pour parler de ça. Juste, je te dis un truc, c'est que j'ai ton téléphone, si tu veux le récupérer, ramène-moi les sous, ramène-moi le T-Max, et voilà. Et c'est bon. Et je te rends ton téléphone. Je vais pas te donner le T-Max. Si, je vais te donner le T-Max. Parce que si tu me donnes pas le T-Max gratuitement, en plus mes sous, je vais balancer au flic et je vais donner ton téléphone au flic. Tu comprends? Ouais, je suis une pute, t'as raison, mais fallait pas être pute avec moi, j'aurais pas été pute avec toi. Si j'ai pas les sous, comment on fait? Si t'as pas les sous, frérot, bah tu te démerdes. Si t'as pas les sous, je vais au flic, moi je m'en bats les couilles. Les sous, tu me les as volés il y a une semaine. Donc les sous, tu dois les avoir. Je gaspille un peu, mais tu as compris quoi. Bon, ok, je vais t'envoyer ma position et tu viens tout seul. D'accord?
et tu vas me donner tes maths. Tu dis que toi, mais toi, tu es seul toi aussi. Moi, je suis seul, moi. Qu'est-ce que c'est que tu fais? Écoute, si tu veux savoir, il faut que tu viennes. Voilà, il n'y a pas 30 solutions. Donc si tu veux savoir, tu viens. Si tu veux récupérer ton téléphone, tu viens. Si dans l'heure, tu n'es pas ici, je donne ton téléphone au flic. Voilà. Bon, j'ai raccroché. Je vais lui envoyer ma position. Ce qu'on va faire, c'est simple. C'est que je vais laisser une GoPro dans le camion. Mes frérots, ils vont rester ici. Je vais vous donner un mot. Bon, dès que je dis « beauté max », ça veut dire qu'il faut sortir, ok? Il y a une poignée ici, vous pouvez sortir de l'extérieur. Et une poignée ici, d'accord? S'il vient avec un collègue, les gars, j'ai du beauté max direct. Attention. Bon, les gars, le mec est toujours pas là, hein, ça fait presque une heure, bientôt une heure. Le mec, t'as pas un mec pour la vidéo? Ouais, mais frère, imagine, il fait faux plan. Non. Ça va, on connaît, c'est faux plan. Ouais. Il est pas là, ça fait presque une heure, les gars. Ah, attends, il m'appelle. Attention. Allô? Ouais. Ouais, c'est ça, le lieu du rendez-vous là, tu sais pas là, c'est bizarre ça. Non, c'est impossible parce que j'y suis sur le rendez-vous. C'est impossible. Impossible, là, impossible. Mais ne me dis pas impossible, frérot, j'y suis. Tu m'envoies quoi, j'y suis là, tu es où? Y'a quoi autour de toi? Là, autour de moi, là, y'a un camion, y'a un panneau stop, y'a une rambarde. Ah, il a... ah ok, c'est bon, en fait, ok. Non, mais... ça va, tu es juste à côté, vas-y, on arrive. Enfin, j'arrive. Bah parce que au moins y'a des gueules. Ouais, ah mais si tu veux je te donne rendez-vous au commissariat, c'est mieux hein. Ah, vas-y, j'arrive, je suis à côté. Okay, vas-y. Allez. Il a pas cramé le Léonard. Non, heureusement. Heureusement qu'il a pas cramé le Léonard. Non, c'est pas une flèche gros. Mais ça se voit c'est un SG. Mais déjà pour perdre ton téléphone quand tu broques un mec, tu vois, c'est que tu vraiment une cave, tu vois. Tu es mongolien. Regarde ce qu'on va faire. Vous restez là, baisse-toi Samy, qu'on te voit pas. Frérot, toi vas-y à pied, ouais. Tu te caches quelque part, il faut qu'on nous voit arriver. Si tu te vois arriver, il va te voir avec la caméra. Tu vois c'est quoi? Et dès que tu arrives vers lui, je descends. Ouais. Vas-y, on se rejoint là-bas. Alors quoi? Tu veux ton téléphone? Ouais. T'as des sous? T'as mes sous? Non, viens, vends ta sacoche déjà. Vends ta sacoche, tu as pas une arme. Pas d'arme. Fais voir. J'ai pas d'arme. Et sur toi non plus? J'ai pas de poche. Ouais, regarde. Là, t'as mes sous ou pas? Non, j'ai pas les sous. T'as pas tes sous? T'as pas mes sous? Non. Pourquoi tu as voulu me voler mes sous là-dedans? C'était tentant de quoi? Tu as fait esprit de donner rendez-vous avec de l'argent liquide pour me voler? C'est ça. Et ton collègue, il est où? Il est pas venu. Tu veux aller au commissariat? Ah non. Bah, tu vas me donner ton T-Max? Ah non. Et tu es venu pourquoi alors? Je crois que j'allais rendre ton téléphone et ça y est, c'est bon, tu gardes mes sous et en plus tu gardes tes mecs et je te rends ton téléphone. Ouais, je te suis aussi. On va dans un coin là, je te fais une pipe. Non? Ah, je vais pas pipe. Par contre, tu manques pas de respect là. J'ai vu, je suis venu récupérer mon téléphone et tout, donc maintenant, rends mon téléphone. Pour ça, je me laisse. Sinon quoi? Tu vas faire quoi sinon? Ça va partir en quoi? Quoi? Comment ça que je suis moi? Tu vas faire quoi? Moi je repars pas si j'ai pas mes sous, t'as pas ton téléphone si j'ai pas mes sous. Bah je vais le récupérer une fois, c'est lourd là. J'ai mon téléphone. Dans ton camion, moi je rentre dans ton camion. Mais touche pas le camion. Touche pas le camion. Écoute-moi. Regarde-moi bien. Ouais. Tu vas pas rentrer dans le camion. Tu vas faire quoi? T'as senti un petit blanc, tu es un petit français, tu vas faire quoi? Tu es un paillon. Je suis un paillon? Ouais. Toi par contre, tu as une très très beau T-Max, c'est ça ce que je vois. Alors, magnifique le T-Max. Mais c'est quoi ça? Alors? Non, cours pas! Arrête! N'aie pas peur! Mais pourquoi tu pars? T'inquiète, frérot, t'as dit quoi? Je t'ai dit, tu me ramènes mes sous. Tu m'as dit oui,
Et au final, tu me ramènes pas mes sous. Donc... Non, c'est toi. Tu vas faire quoi? Maintenant, je t'explique. Il n'y a pas 36 solutions. Écoute-moi, non, on va pas attraper. Écoute-moi, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens. Au début. Je t'explique, Écoute-moi, tu m'écoutes? Ouais, bientôt nous. Attends. Au début, je t'ai demandé un truc. Je t'ai dit, tu m'amènes mes sous, je te rends ton téléphone, d'accord? Tu m'as dit oui, tu es venu sans sous. Là, tu me demandes de rendre ton téléphone. Je peux pas te rendre ton téléphone si tu me rends pas mes sous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre le T-Max. Tu as la carte grise, on met sur toi. Tu as les papiers? Ouais, j'ai tout. On va faire les papiers et je vais te prendre le T-Max. Mais en plus de te prendre le T-Max, vu qu'on t'a filmé. On va prendre ta dignité. On va prendre ta dignité. Et on va prendre ton âme aussi avec. Ça, bah c'est pas, on prend le T-Max si je me casse. Bah, c'est moi déjà, ils sont les clients. Ça, c'est un vol, je vais porter plainte. Tu es sérieux? Allez, vas-y, sors. Tiens, prends-lui le scooter, tu vas venir avec nous parce que non, il n'y a pas de violence. Soit tu viens avec nous. Eh ouais, là tu vas bien, écoute, non, t'agresse pas. Moi, il y a une caméra, je veux savoir pourquoi il y a une caméra. Pourquoi tu avais un calibre l'autre jour, toi? On a les images de la dernière fois que tu nous as braqué avec ton collègue. D'accord? Si tu veux pas qu'on aille au flic, tu vas venir avec nous. Et à mon avis, c'est le braquage, tu rentres pour un petit moment en prison, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux jouer avec toi? Mais parce que frérot, c'est pas rigolo sinon. C'est pas drôle. Allez, monte à l'arrière du camion, viens. Ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer, allez. Allez, tu es pas mon style, de toute façon, t'inquiète, avance. C'est bon, Max, tu as la vaseline avec. Allez, c'est bon, c'est calme. C'est l'autre en première. Amuse-toi avec le T-Max, ça fait toi plaisir, hein. Ah, écoute. Reder. Bah écoute-moi. Ah, jeune. Tu as 21 ans, comment tu t'appelles? Mais pourquoi tu m'as dit que j'étais un sale blanc tout à l'heure? Tu m'as dit que t'es un petit blanc, tu t'appelles Julien. Je suis reconverti. Ah. Ce qui va se passer, c'est que tu les as mangés les sous. Ouais. Ok. Alors nous, on va te prendre le T-Max. Et en plus de ça, tu vas venir avec nous, on va te faire une petite leçon de morale, tu vois. Ah, c'est bon, là, tu l'as fait. Non, t'as rien fait du tout. On va te faire une belle leçon de morale, ok. Mais, en échange, on va pas aux flics. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous le savez, dans les vidéos de Kamoff, il y a toujours une petite sentence, on a les mains noires, on a tous travaillé, c'était un travail d'équipe. Je vous laisse découvrir la sentence dans 3, 2, 1, attends. Petite page de pub quand même. Bon voilà les amis, on se retrouve après la pub, bien entendu, il faut qu'on puisse manger aussi. Donc, voici la sentence. Vous vous demandez peut-être où se trouve le voleur. On est dans une petite pente, donc on va lui faire comprendre qu'il faut pas voler les amis. Allez, 1, 2, 3. Non. Encore. Tant qu'on n'est pas arrivé en bas, allez. Allez, la prochaine fois je te vois que tu mets dans une roue tracteur. Allez, casse-toi. Et sans le T-Max en plus. Pas besoin d'aller trop vite, garde le casque. Tu veux qu'on te fasse courir? Oui. Ah, viens ici. Bon voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je remercie tous les frérots qui sont présents aujourd'hui avec nous. Donc, notre ami bâtard, tiens tape, main noire contre main noire. On a bien rigolé, franchement on a bien rigolé, ça me fait plaisir de te voir dans les vidéos. Et je pense que ça fera plaisir aux gens de te voir un petit peu. Bon, on met le nouveau Insta du frérot bâtard, c'est un ancien des vidéos. Tu reviens quand tu veux frérot, tu sais que voilà, on tourne souvent et tu viens quand tu veux. Merci à Nathan aussi. Nathan, peut-être qu'on va le revoir, on sait jamais. Hein. Avec plaisir. Du coup, je repars avec un nouveau T-Max. C'est exactement. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Et merci Nathan et rajoutez-le aussi sur Snap. Son Snap s'affiche en bas. Notre ami Reder aussi qui était là. Heureusement que Reder était là. Heureusement.
entre guillemets. YouTube, il fait des vidéos, Reder. Il fait des vidéos sur YouTube. Donc rajoutez-le, le gars, il fait des pranks, il fait des caméras cachées, il rend fou les gens autour de lui. Vous allez voir, c'est rigolo. Nous avons notre ami Maxo aussi, qui n'a pas forcément, je le dis à chaque fois, pas forcément de talent, mais il est là. Je suis là, je suis et là. C'est mon, c'est mon petit bébé. Il a le petit Insta. J'allais te mettre un ventre. Tu serres encore la main une fois, fort comme ça. Je te jure, je te mets dans les pneus. Désolé, frérot. Donc, le petit Maxou, rajoutez-le. Ça fait un petit moment. Depuis quel âge? Je te connais plus de 14-15 ans maintenant. Ouais. Donc, rajoutez-le. Tu as quel âge? 18. Donc, ça fait 4 ans que je le connais. Et 4 ans que des fois, il vient dans les vidéos. Des fois, il vient pas. Enfin, bref. Quand tu peux, il vient quoi. Donc, rajoutez-le sur Insta. C'est un beau gosse. En plus, il fait de la muscu. Les filles, vous savez qui rajouter. Et là, les amis, nous avons un invité de marque, une exclusivité. Il n'y a que ceux qui ont payé YouTube Premium qui peuvent le voir. Parce que c'est un mec dans l'ombre. Même moi, des fois, j'ai besoin de ses conseils. J'ai besoin de ses... Je l'ai au téléphone, je le vois rarement. Donc, déjà que vous le voyez ici et sur une vidéo YouTube, c'est exceptionnel. Le frérot, Samy Lagachette, qui est là, développeur informatique. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, est-ce que tu as un mail, quelque chose? Est-ce qu'on peut partager quelque chose ou tu restes dans l'ombre? Je reste dans l'ombre jusqu'au bout. Ça m'a fait plaisir de venir. On a bien corrigé ce voleur de merde. Je serai une nouvelle fois sorti de l'ombre pour le million d'abonnés sur la chaîne de Kamoff. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À faire un gros truc. Si vous voulez que je revienne, le mec de l'ombre, vous voulez le revoir, c'est au million. Mettez-le en commentaire. Avant. Mettez en commentaire le mec de l'ombre. Ok. Ciao, les gars. Moi, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne fin de visionnage du coup. Merci à tous les frérots qui étaient là. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et je veux, s'il vous plaît, un maximum de bordel pour la fin de cette outro, les amis. Ouais.